votre tour tous les deux, Mélanie et Laurent, pour le songe d'une nuit d'été dont on a évoqué tout à l'heure à notre façon la mise en scène. Il faut dire qu'on ne l'a pas encore vu ce spectacle. Est-ce que concrètement... Et pour cause, on commence le 10. Voilà. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire ce qu'on va voir sur scène alors? 20 personnes, comment, où, les costumes, c'est quoi? Vous allez surtout voir un texte de Shakespeare. Ça, d'accord. Alors Shakespeare, ça fait peur parce qu'on se dit, oh là là, c'est Othello, c'est Hamlet, c'est, ça nous parle pas, ça parle pas à la culture de masse, c'est super intello, c'est quelque chose, il faut avoir peut-être comme Crime et Châtiment un dico pour tout transcrire. Eh ben c'est tout sauf ça, parce que c'est une pièce, c'est peut-être la pièce la plus drôle de Shakespeare. C'est, on est plus dans le, dans la thématique du, de la nuit des rois ou de la, ou de beaucoup de bruit pour rien. C'est une farce, c'est une fantaisie, c'est une rêverie, ou surtout, c'est presque un vaudeville. Alors là, c'est vraiment pas, je fais pas des effets pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est, faut venir, c'est, je veux pas être efficace, mais c'est vraiment plein de tout ce qui se passe de plus drôle dans le théâtre, à savoir les coups de théâtre. Des rebondissements à chaque minute, parce qu'il y a des mauvais génies, dont je suis le premier d'entre eux, j'interprète Puck, et je vais passer mon temps à brouiller les pistes, à modifier le comportement des uns et des autres par des petits coups de baguette magique, en perdant les uns, en retrouvant les autres, en les faisant se rencontrer alors qu'il faut qu'ils se traduit comment? Il y a des effets spéciaux sur scène? Ouais, il y a des... Oh, il y a des éclairs. Ah, elle dit non, il lui dit oui, il faut vous entendre. C'est parce que c'est moi le mauvais génie. Pardon, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des effets spéciaux. Il y en avait pas, certainement pas à l'époque. Et tout est... On travaille beaucoup sur l'imaginaire aussi. Enfin, les effets spéciaux sont des paillettes, quoi. C'est pas... Ouais, y a des... enfin, y a... c'est sonorisé. On a... y a des disparitions, ah, oui, y a des ombres, il y a des parapluies qui lèvent dans le ciel. Je fais de la lévitation quand même. Je manque de me casser la gueule tous les soirs. Ah, ça, on l'a pas aussi. C'est quand même un effet spécial, ça, celui-là, parce que je ne vole pas vraiment. C'est parce que vous n'avez pas que des scènes communes, évidemment, dans... Non, on se croise pas, on se parle pas. Ah bah alors voilà, pourquoi ouais. Vous... Ah bah évidemment, alors vous parlez pas voilà de la même chose. Pourquoi quoi? Bah, voilà pourquoi vous parlez pas de la même chose, au fond. C'est ah si, mais on fait le même spectacle, quand alors même. Votre rôle, à vous, dans cette pièce, Le songe d'une nuit d'été? Alors en fait, Nicolas Briançon est, a décidé, et ça se fait souvent en Angleterre, que le personnage de Oberon et de Thésée soit joué par le même comédien. Et donc, la future femme d'Oberon... la future femme, pardon, de Thésée, Hippolyte, et la femme d'Oberon. Vraiment, je suis hyper bonne en promo. C'est les fans de l'amour. Je vous assure. Hein, ouais. Mais oui, mais justement, il parle de thèmes totalement intemporels, Shakespeare. Et ça parle d'histoire de couple, d'histoire de cul. Ça parle énormément de désir, de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'engagement. C'est vraiment ultra moderne. C'est pour ça que je trouve que ce soit dans les années 70 ou que ce soit traité d'une manière plus académique, comme ça devait l'être avant au 19e, finalement, le thème reste le même. Et une chose qu'on n'a pas abordée, il y a le théâtre dans le théâtre, dans cette pièce. Ah oui, il y a cette scène, ces scènes merveilleuses des artisans, où c'est quand même des comédiens qui répètent un spectacle et qui sont grotesques, qui sont géniales, où ça parle beaucoup d'ego. Donc ça parle aussi beaucoup de ce qu'a un acteur, de l'interprétation. Yves Pignot est magistral là-dedans. Et c'est vrai que même le parallèle avec les années 70 est génial. Les années 70, en termes de mise en scène de théâtre, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, Oui, c'est... c'est vrai. Là où Mélanie a raison, c'est que à l'époque, dans les années 70, on est dans un théâtre où chacun a un peu son mot à dire. C'est un théâtre horizontal où on a tué le père donc, dans la société, ce qui est représenté par le fait qu'on va s'affranchir du roi. Le roi veut se marier et puis tout d'un coup, on va se voir qu'on va un petit peu perturber ses plans. Mais au théâtre, c'était aussi ça. Y avait, je ne sais plus quel était ce metteur en scène, c'est un exemple que Nicolas donne tout le temps. Avant les années 70, quand il y avait un comédien qui voulait donner son avis, le réalisateur lui disait « Oh Lyon, oh, c'est pas le colcause. » C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le droit à la parole. Il y a un metteur en scène, donc tu suis mon coco, si t'es pas content, tu me rends ton script. Et là, au contraire, voilà, c'est au moment où les comédiens commencent à pouvoir se dire « Moi, je pense ça, ça s'intellectualise. » Et effectivement, quand il n'y a plus une tête, mais 10, ça part dans tous les sens. Personne n'est d'accord, personne ne joue la même chose. C'est un peu ce qui nous arrive en ce moment. Là, on est en train de peut-être pas tout à fait d'écrire la même pièce. Mais c'est ça qui est drôle, parce que forcément, ça fait une arborescence qui part dans tous les coins. Et celui qui est gagnant, c'est le spectateur, parce qu'on rit beaucoup. Voilà, c'est un spectacle familial avec de nombreux comédiens. Sur scène, on a dit, une troupe, une vraie troupe d'une vingtaine de personnes. Vous êtes déjà retrouvé sur scène avec autant de monde en même temps? Non, c'est mon premier pestacle de troupe. Et oui, parce de que troupe. Souvent, vous avez joué à deux, à trois sur scène, enfin à deux même. Oui, ouais, non, mais non, c'est la première fois. Le théâtre et le cinéma, c'est quelque chose que vous alternez assez régulièrement. D'ailleurs, vous avez ce point commun, vous avez même tourné et joué en région, à Nice, l'un et l'autre, avec ouais. Le même metteur Daniel en scène. Daniel Benoît, oui. Vous, c'était dans quelle pièce déjà? Le roman d'un trader, une adaptation de l'affaire Kerviel. Voilà, et vous? Le rattachement. Sur.
sur, c'était pour fêter les 50 ans de l'annexion de Nice à la France. Très 150 bien. 150 ans, pardon. Il a un côté. Il a un côté professionnel. Mais c'est vrai, c'est les derniers. C'est les derniers. Ils ont... Après, ils ont fermé. Après, c'était les derniers. Racontez-moi, vous connaissiez Laurent Deutsch avant de. Non. Non, jamais. Non. Donc, ça doit être une sacrée rencontre, quand même. Énorme. Parce que, alors, c'est elle qui a eu l'idée qu'on m'accroche dans les cintres. Non, parce qu'on a quand même l'impression que c'est un dictionnaire sur pattes, ce garçon-là. Non, mais il est passionnant. C'est-à-dire que c'est comme ça tout le temps? Non. Il se calme de temps en temps? Non, mais il n'y a pas à le calmer. Là, on est en promo, donc c'est génial, au contraire, d'avoir. Vous êtes super content d'avoir quelqu'un qui parle aussi bien. Moi, je trouve ça génial, évidemment. Il est formidable, Laurent. Bah, ouais. Sur n'importe quel sujet, il est intarissable. Mais il est exactement pareil dans le travail, alors, dans les idées, en tout cas, qu'il peut avoir par rapport à un personnage. Il est hyper inventif, il se réinvente beaucoup. Et donc, c'est, en tant qu'interprète, c'est génial. Votre femme, elle est dans l'aventure aussi. Marie-Julie Baube, qui joue le rôle de Elena. D'Elena. Ça, vous aimez bien jouer avec votre... J'adore, je l'ai rencontré, j'ai été son amant sur scène avant de l'être à la ville. Ouais. Voilà, vous êtes rencontré dans Amadeus. Ouais. Elle faisait, ma femme faisait Constance Mozart, et ensuite on s'est retrouvé dans une pièce de Wilde, et ouais, je l'ai retrouvée, c'est génial, parce qu'elle est belle, elle est drôle, et je suis son premier fan, hein, mais elle est super, et là dans cette pièce-là, elle est désopilante. Ça, c'est pas compliqué pour vous de vous retrouver entre monsieur et madame? Ah non, pas du tout, parce qu'ils sont pas sur les dépelles toute la journée. Non, c'est bon, très simple. On est tranquille de ce côté-là. Oui. Natacha, Audrey, un mot sur cette pièce que vous n'avez évidemment pas vue. Ça démarre samedi prochain, 10 septembre, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Oui, c'est une pièce qui est formidable parce que Shakespeare se moque de lui-même dans cette pièce. C'est-à-dire que la pièce que les comédiens massacrent à la fin, qui est Pyramé Thisbé, c'est en fait la trame de Roméo et Juliette. Et c'est tout ça qui se joue dans cette pièce. Et c'est ça, moi... Que j'espère il ressortira de la mise en scène qui est celle de Nicolas Briançon, c'est cette façon d'en permanence remettre en cause le réel, remettre en cause les idées reçues, parce qu'on est dans le théâtre baroque, on est dans le mouvant, tout ce qui passe, tout ce qui change, et c'est vrai que vous avez raison, c'est assez lié à notre époque, dans le sens où il y a justement cette idée que finalement on ne peut être sûr de rien, que tout n'est qu'illusion. Ça, on est dans le spectacle permanent. Vous venez de le dire, et c'est hyper présent, et Nicolas y tient, il y a une vraie critique aussi du théâtre. Vous verrez comment on peut se moquer, comment Shakespeare se moquait de ses comédiens et de la manière dont les égaux pouvaient s'exprimer. Il y a un comédien à un moment qui cherche à dire on devrait réfléchir, et qui cherche les mots, et qui finit par dire on devrait phosphorer là-dessus. Voilà, à chaque fois, le comédien, un peu comme moi maintenant, on a besoin de faire des sorties tout le temps pour trouver des punchlines qui fassent mouche, et on devient souvent ridicule. Un peu comme quand j'ai dit tout à l'heure que je préférais regarder un match de rugby à aller voter, ce qui est le truc à ne pas dire. Ouais. Absolument, parce qu'on va me prendre mais pour un anti-républicain. Ah non, regarde. Je vais prendre un isoloir sur la tronche, sinon... Audrey. Oui, ce qui m'amuse, c'est, vous parliez tout à l'heure, Laurent, de la façon dont Laurent Deutsch vend la pièce, vous parliez de Secret Story, je vous ai entendu sur France Inter, une radio que je connais un petit peu, dire que Shakespeare était le Lionel Messi du théâtre. Ouais. Alors là, ça va encore faire phrase efficace pour vous faire venir, mais s'il y a, je crois que le plus grand auteur, s'il doit en rester qu'un, ça sera celui-là, quoi. On peut pas, il sait tout faire. Alors pour changer d'image, je vais dire, c'est le Picasso du théâtre. Il sait tout peindre, il sait tout faire, il sait tout dépeindre, il sait tout décrire. Il a tout compris. Et quand il s'agit de faire rire et de nous emmener en plus dans de la féerie, parce que Shakespeare, au-delà d'être un classique, c'était quelqu'un qui était aussi presque un romantique pour son époque. C'était un mec qui était complètement amoureux de la nature, amoureux de l'environnement, amoureux de... Et justement, et pourquoi mettre la pièce dans un cadre urbain alors même qu'il y a cette dimension de la campagne, la nature? C'est ça qui me surprend. C'est peut-être la chose qui sera la plus difficile à rendre, mais on ne voulait pas tomber dans un côté naturaliste. Ça a tellement été joué qu'il fallait un tout petit peu sortir de l'ornière la souche avec les mousses, avec le tronc d'arbre pour pas... Sans aller jusque-là, mais là on est au contraire dans mais le on arrive, je crois, à faire... Mais c'est pas si... c'est assez... c'est pas très figuratif non plus, il me semble. Enfin, on évoque les années 70 dans les costumes, mais il n'y a pas de gros ouinges qui passent partout. C'est pas, non, ce n'est pas dans années 70. J'ai bien compris. Je suis mais on aura l'impression d'être en...
d'être en extérieur avec Shakespeare, c'est une pièce qui c'est des pièces qui appellent c'est un romantique quoi, donc c'est l'air, c'est la lune, les références à la lune, au ciel, à la nuit, à toutes les peurs qui nous animent quand on se retrouve tout seul un petit peu dans le noir comme ça, tout est présent, il y a une pleine lune qui va jaillir et vous verrez là vous aurez la sensation non pas d'être dans un décor des années 70 mais dans le décor intemporel qui est la nature. Moi c'est ce qui me fait rire, c'est Mélanie Doutet qui vous regarde et qui vous écoute, Laurent Deutsch. Alors je sais pas, soit elle est en train de tomber amoureuse, soit elle est en train de dire je joue avec un fou. Non mais moi qui suis pas forcément toujours très à l'aise en promo et tout ça, je trouve ça génial, au contraire, j'apprends beaucoup. Je vais voir si vous avez autant révisé que Laurent Deutsch, on va vous amener deux petits buzzers à l'un et à l'autre. Est-ce qu'on peut appeler ma femme Marie-Julie Baupe si on sèche? Ah oui, bah, peut-être. Oui, on a le droit à un joker, un peu comme dans l'émission de Sabatier. Appel à un ami. S'il vous plaît, voilà, très bien. Ah, c'est pas Sabatier, c'est Foucault. Foucault, pardon. Ah oui, Foucault. Si vous les confondez, alors là, attention. Vous êtes prête? Attention, parce qu'il a l'air fort quand même. Ah ouais, non, mais je vais le laisser gagner. Le premier qui buzz a le droit de répondre. Quel est le titre original du songe d'une nuit d'été? Ah, allez-y. Much Ado About Nothing. Je comprends même pas. Là, ça marche pour les trois. Midsummer Night's. Je vais me le faire en plus. A Midsummer Night's Dream. Parfait, c'est la bonne réponse. Je t'ai pas dit. En quelle année Shakespeare a écrit le songe d'une nuit d'été? Faut appuyer d'abord. 1564. Non, ça c'est l'année de naissance de Shakespeare. 1594. 1594, c'est le deuxième point pour... J'ai droit à une excuse. C'est sa première pièce, pardon. Eh oui, mais quand même. Parce que c'est sa première pièce. Qui d'autre que Mélanie Doutet a déjà interprété le rôle de Titania? Michel Pfeiffer, Sharon Stone ou Ariel Dombal? Michel Pfeiffer, bravo Mélanie. Ah, c'est un truc... Sous quel titre Woody Allen a-t-il déjà adapté la pièce? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Sourire d'une nuit d'été ou comédie érotique de premier. C'est-à-dire? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Ah non, pas du tout. Non, c'est comédie érotique d'une nuit d'été. Bravo! Un troisième point pour Mélanie. Dans quel film le héros se suicide-t-il après une représentation de la pièce Le songe d'une nuit d'été? Cette fois-ci, je l'ai vu. Le cercle des poètes disparus. Bravo, exact. Parmi ces trois œuvres de Marc Chagall, laquelle a pour titre Le songe d'une nuit d'été? Allez-y, Mélanie. La troisième. La troisième, bravo, c'est gagné. Ah, ben voilà, là, là. Oh là. Alors, mais je vous ai dit, moi, je dois tout à ma femme. Quel est le lien entre Victor Hugo et le songe d'une nuit d'été? Allez-y. La traduction. Bravo, son fils en a fait la traduction, c'est bien, Mélanie. Ça fait vraiment la fille qui a tout révisé à mon avis. Puck est une créature féerique du folklore celte. Quel surnom lui donne-t-on? C'est votre rôle. Robin, bon enfant. Ben oui, c'est votre rôle ça, en même temps. Celui-là, je peux un pas le louper. Un point de plus. Mais la gagnante est Mélanie Doutet. Bravo, vous avez bien travaillé et révisé Shakespeare. Ouais, c'est ça. Ça vous tente, colonel Ariel? Est-ce que vous allez au théâtre, d'ailleurs? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça vous est déjà arrivé? Mais par exemple, pour une pièce de Shakespeare? Ouais, pourquoi pas, ouais. Il faut que les jeunes aillent évidemment au théâtre, et particulièrement au théâtre de la Porte-Saint-Martin, pour peut-être appréhender cette pièce de Shakespeare qui est grand public et familiale, et dont j'imagine la mise en scène, en plus, est particulièrement attractive. Alors, on vous souhaite de pouvoir vous rendre à partir de samedi prochain au théâtre de la Porte-Saint-Martin pour applaudir et Mélanie Doutet et Laurent Deutsch. Merci à tous beaucoup, les deux. Merci.